L'aéroport de Liège est le 8e aéroport fret européen. Près de 600 000 tonnes de marchandises transitent ici chaque année. L'essentiel des mouvements s'effectue de nuit, alors que la dalle accueille aussi des vols diurnes, orientés passagers. 300 000 personnes transportées. À quelques centaines de mètres des installations en bord de piste, dans le périmètre sécurisé, un opérateur de maintenance nous dévoile une partie des coulisses de l'aéroport. Il est venu réaliser l'entretien d'un système dynamique d'alimentation électrique. Donc sur une année, on en fait 6 interventions. Donc deux interventions sur les carrés et quatre sans arrêt. Donc ici, on va entretenir tout ce qui est roulement, je veux dire, de la machine, à vérifier tout ce qui est température, vibration, et regarder aussi l'état du moteur en général. Pas l'intérieur du moteur, mais bon, l'extérieur, tout ce qui est durite. Si la plupart des entretiens s'effectuent alors que le système est en fonctionnement, c'est parce que ce dispositif est chargé de veiller sur l'alimentation en électricité du balisage de piste. En cas de coupure d'alimentation réseau, c'est lui qui prend le relais. Pour pouvoir assurer la sécurité ainsi que la continuité des opérations. Vous imaginez bien que le balisage de piste ne peut pas s'éteindre à n'importe quel moment, que le contrôle aérien ne peut perdre la communication avec les pilotes, ou que les instruments d'aide à la navigation, comme les radars, ne peuvent pas non plus s'arrêter. Donc il est indispensable pour nous d'éviter toute micro-coupure de courant et que le courant soit continu. Les aéroports, les hôpitaux, certaines industries pointues, les centres informatiques ou de stockage de données, autant de sites sensibles confrontés à la nécessité de ne jamais subir de coupure électrique, aussi minime soit-elle, car les conséquences pourraient être dramatiques,